La semaine dernière, nous vous avons expliqué que le Land subit actuellement une hausse des morts par overdose. Pour prévenir ces décès, il peut s'appuyer sur une salle de shoot. Mosaïque a pu y pénétrer pour s'en faire expliquer le fonctionnement. C'est un quartier de Sarrebruck comme un autre, un parc et des écoles, et derrière ces murs, le Drogenhilfezentrum, ou DHZ, un centre d'aide aux toxicomanes ouvert en 1992 et dans lequel se trouve une salle de consommation à moindre risque, en d'autres termes, une salle de shoot. Ici, il n'y a aucune vente de drogue, la personne arrive avec ses propres produits. Le client montre sa drogue par la fenêtre, l'auxiliaire la contrôle et vérifie si le client est bien enregistré. Et si tout est OK, elle ouvre la porte. Un scénario qui se répète entre 120 et 150 fois par jour. Certains clients reviennent parfois à plusieurs reprises dans la même journée. Cocaïne et héroïne sont les produits les plus consommés ici. Pour la sécurité des toxicomanes, seuls les ustensiles du centre peuvent être utilisés. Une seringue neuve est fournie en échange d'une déjà utilisée. Pour l'héroïne, le centre propose des cuillères neuves et de la vitamine C. Les clients entrent ici dans la salle de consommation. On a là une cabine pour ceux qui fument et là des places pour les clients qui se droguent par intraveineuse. Ils déballent leur matériel à leur place et consomment. Les miroirs sont utilisés par ceux qui se piquent dans le cou ou dans l'aine. Une consommation ainsi accompagnée peut scandaliser car il s'agit tout de même de drogue illégale. Peter Becker, directeur du centre, mais aussi ancien chef de la police de Sarrebruck, ouvre le débat. En Allemagne aussi, la possession de drogue dure est interdite et punie par la loi. De l'autre côté, naturellement, nous ne voulons pas que quelqu'un meure d'une maladie due à la drogue. Au fond, nous devons trancher. Veut-on une répression inconditionnelle ou voulons-nous aider de graves malades à rester en vie et peut-être les amener à sortir de la drogue? Nous avons tranché. Et dans cette optique, le bilan du DHZ est bon. En 2016, le centre a par exemple dû faire face à 41 cas d'arrêt respiratoire qui auraient été mortels à l'extérieur. Depuis son ouverture, personne n'est mort d'overdose au Drogenhilfezentrum. Interrogée sur la présence d'une telle salle dans la ville où elle exerce, l'addictologue Béatrice Gospodinov reste prudente. Ses patients ont signé un contrat avec elle et déclarent ne pas se rendre au DHZ et pourtant. Une partie de nos patients se retrouve au Drogenhilfezentrum. Ça n'influe pas beaucoup mon travail. Disons que même parfois ça me dérange parce que ça facilite la prise de drogue. Mais elle assure quand même une prise de drogue propre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons ici un plus et un moins. Le DHZ reste pour elle une chose importante pour ceux qui n'arrivent pas à se retrouver dans un programme de substitution. Toutefois, comme l'ensemble des personnes rencontrées lors du tournage, de la police au ministère de la Santé ainsi qu'au DHZ, elle précise que c'est du côté de la prévention qu'il faut accentuer l'action publique, et cela dès le plus jeune âge.